calculs se faisaient de plus en plus compliqués, les physiciens avaient du mal à se souvenir des formules, à les maîtriser, à les ordonner. Et donc Feynman a eu le génie de représenter ces calculs par des petits graphes très très simples. Donc, par exemple, si je regarde la diffusion d'un photon sur un électron, ça c'est une chose très courante, c'est par exemple la lumière qui rencontre les électrons d'un atome, c'est un peu d'une certaine façon ce qui fait que le ciel nous apparaît bleu. Donc voilà, donc là, on a un électron qui suit sa trajectoire d'électron comme ça, là. Et puis un photon de lumière qui arrive dessus. Математика встроена в голову каждого человека и даже каждого животного. C'est un peu ça les mathématiques, c'est de trouver dans des situations quelquefois très simples, comme les nombres, ou un mouvement, quelque chose de dynamique, ou quelque chose d'algébrique, de trouver des structures cachées, des relations qu'on n'aurait pas soupçonnées. Il y a deux choses. C'est le problème de la forme, ça c'est capital chez les mathématiciens, et la recherche de la beauté, quoi.